Allez, j'ouvre un nouveau vlog pour vendredi soir. Dimanche soir, toujours le 11. Ce soir, tu voudras un yaourt, ouais. Okay. Hop, je prends ça. Ce soir, on va faire les... Les croque-monsieur. Les croque-monsieur, et on va faire des concombres vinaigrette, tout simple, avec... De quoi? Vinaigrette, la sauce blanche, sauce crudité. Oui. C'est quand même de l'espèce de vinaigrette. Voilà. En fait, ce qui m'énerve par contre, c'est que j'ai perdu mon économe. C'est quoi? L'économe, tu sais, c'était le couteau pour éplucher les pommes de terre et tout ça. On a, ça fait au moins 3 semaines et on a complètement oublié d'en racheter. Et à chaque fois qu'on va pêcher une pomme de terre ou un truc, on se dit « Ah, oh, on a encore oublié l'économe ». On n'y pense pas quand on y va et au moment d'éplucher, on y pense évidemment. Enfin, donc, ça devrait aller quand même. Hein. Alors, Alexis, baisse-moi ça. Prends, pourquoi tu prends pas ton casque? Hein? Donc voilà, c'est parti. C'est tout. Hein. Que ça chauffe. C'est long, je trouve. Ah, c'est bon. Je vais baisser un peu, ça me fait une cramer. Bon. Bah, ah non, maintenant, comme je me réveille. Ouais. Bonjour. Bah, je te dis bonjour tout à l'heure. Ils sont un peu cramés, j'avais mis trop fort et j'avais pas. Ça va être bon quand même. Oui, ça va être bon, mais. Tu les as épluchés? Bah oui, je les ai épluchés. Oui, il y a encore de peau. Oui, il y a encore un peu de peau parce que. Mais il était super. Bah, c'est pas grave. J'adore les concombres, les calcumbers. Moi, les concombres. Ça a le goût de watermelon. Ça a le goût de pastèque. Ouais. Mais ils ont pas trop de goût. Allez, à plus tard et bon appétit. Je peux prendre des... Donc, je vous ai mis sur mon trépied et je me suis assise. On est donc lundi 12 février. Je rentre du boulot, il est 17h10. Et voilà, donc il a. Ce matin, quand je suis partie, il faisait jour. Quand je suis rentrée, il faisait jour. Donc ça, c'est trop génial parce que c'est motivant, on se dit qu'on tient bon bout quoi. Aujourd'hui, donc il a fait frais, mais il y a eu du soleil, il n'y avait plus de neige, plus de verglas, plus rien. C'était génial, ça me faisait tout bizarre de rouler sur la route normalement. Bon, par contre, ils annoncent de la neige pour demain, mardi. A priori, il serait de 11h à 19h, donc après, ça dépend de l'intensité de la neige. Ça dépend comment elle tombe. Donc, on est lundi, je vais aller chercher Alexis à 18h15 au badminton. Et, alors, depuis la semaine dernière, depuis mardi, j'ai eu du courrier. Et puis, après mardi, j'ai plus de courrier de mercredi, jeudi, vendredi, samedi. 4 jours sans courrier. De ouf. Et en fait là tout est arrivé aujourd'hui, donc on avait plein de paquets dans la boîte à lettres, des factures, des machins, des trucs, tout, et notamment j'avais des colis Wish. Donc je vais vous montrer ça. J'ai encore pas pris de ciseaux. C'est une bague, une bagouze. Alors, voilà. Okay.
petite. Donc j'ai commandé la même taille que d'habitude. Donc comme d'hab, ça arrive dans une petite boîte et dans un sachet. Voilà, j'avais envie d'une bague comme ça. Ah si, c'est bien, c'est la bonne taille. Peut-être un peu grande même. Ouais, même elle est là. Donc voilà, c'est une bague, elle est comme ceci. Hop. Je peux même la mettre... Ouais, je peux... Oh, je vais peut-être la perdre un peu. Et j'adore. En fait, la pierre au milieu, là, elle est... noire, avec des reflets bleutés. Je sais pas trop si on voit bien. Ça, c'est la bonne couleur, mais il y a des petits reflets bleutés que je sais pas si vous voyez. Donc voilà, donc je suis super contente. Je la trouve trop belle. Voilà. Et le deuxième... Ah oui, c'est un bracelet. Donc lui, il se présente dans un petit pochon. Je ne sais pas s'il va être, pas être petit. Et en fait, c'est un bracelet, je vais vous montrer. Donc après, dans le pochon, il y a un sachet plastique. Je pense qu'il va être petit. Oh non. En fait, c'est un bracelet comme ça. En forme de ceinture. Voilà. Donc là, je vais enlever tous mes... Bon, c'est pas grave, je vais mettre avec les autres, là. Essayer de le mettre. Voilà. Et en fait, c'est un bracelet. En fait, c'est comme un truc de montre, en fait, mais sans la montre. Bon, je le mettrai pas avec les bracelets en or, là, mais enfin, en or. Et voilà. Pour vous donner une idée de ce que ça donne. Moi, j'adore. Je vais le mettre de l'autre côté avec le côté argent. Voilà. Ah, j'adore. Donc voilà, j'ai commandé d'autres trucs mais je ne les ai pas encore reçus. Voilà, donc je suis super contente de mes achats, mes amis. Donc au niveau des prix, bah, de toute façon je commande jamais. En fait, il ne faut jamais qu'avec les frais de port ça fasse plus de 2 euros. Enfin, je parle au niveau des bijoux. Peut-être que si je commandais d'autres trucs plus gros, enfin je sais pas quoi, je prendrais ça. Mais... Donc je crois que la bague, ça m'est revenu à 1,95€. Et il me semble que le bracelet aussi. Avec les frais de port inclus. Donc voilà. Maintenant, je vais m'occuper, je vais acheter, je vais passer la poubelle, je vais m'occuper de mon... Je vais regarder mes commentaires, et voilà, je vous fais des bisous. Parce que j'ai un commentaire, attendez. Quitte à faire un listing des courses que je trouve un peu étrange, autant afficher les prix en jaune pour une meilleure visibilité et ajouter un petit son à chaque fois qu'un prix apparaît. Voilà, voilà. Ça s'est arrêté après le voilà, voilà. J'adore. C'est vrai que c'est étrange de faire 100 retours de course. Ça peut être étrange. Je le conçois. Les prix en jaune, oui, c'est vrai qu'on aurait mieux vu. Faire un petit bruit à chaque fois pour dire que j'annonce, c'est long. C'est long. J'imagine bien un bruit de caisse enregistreuse ou alors un bruit de ding dong. Bref, je continue. Voilà. Hein? Je filme. Il est 7h15, on vient de rentrer du badminton. J'ai mis ton pyjama au sale, juste en me donner un autre. Hein? Hop. Alexis va aller prendre sa douche avant qu'on mange. À tes souhaits. Merci. Et voilà, je sors ses affaires, on va préparer les affaires pour demain. Hop. Je te mets à la salle de bain. Ok, Google.
J'avais fait une lessive aussi. Hop. À la douche. Qu'est-ce que tu remets ce gilet là demain? À chaque fois t'enlèves mes pop. Mais non, je les enlève pas, mais ils tombent. Celui-là il tient pas, je trouve. C'est sûr. Il est penché en avant, il tombe en avant. Il y a une grosse tête. Non mais allez, tu peux bouger. Voilà, allez, va prendre ta douche. Est-ce que tu remets ce gilet demain? Oui. Oui, allez, s'il te plaît. Donc il est parti à la douche. Une fois qu'il a fini, je vais faire à manger. Ce soir, je vais faire... Vous savez ce que je vous ai montré en retour de course hier, ou avant-hier, hier, je ne sais plus quand, avec espèce d'émincé de porc au échalote d'oignon, et avec je vais faire des haricots plats à la tomate. Donc voilà, on va manger ça ce soir. En fait je le fais tout de suite parce que c'est, il a une date, il était à 50% parce qu'il avait une date courte, et comme on l'a pas mis au congélateur, je vais le faire ce soir. Enfin voilà, c'est tout. Je pense que je vais clôturer là, comme ça je vais finir le montage pour l'exporter, comme ça vous l'aurez pour demain matin. Je suis plus d'habitude, je suis en décalage, donc j'étais moins stressée, enfin, pas stressée mais moins pressé pour mettre des trucs en ligne. Donc là, je vais clôturer. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour un prochain vlog.